Lorsqu'on m'a demandé de raconter la Terre, de la raconter par la parole et par l'image, je me suis senti comblé, car parler de ce qu'on aime, montrer ce que l'on aime à des millions de personnes, c'est somme toute un privilège assez exceptionnel. Le titre de cette série peut étonner. Pourquoi Taziev raconte-t-il sa terre et pas la terre? Ce n'est pas par excès d'immodestie. C'est simplement que je ne me sens pas capable, et que d'ailleurs je n'ai aucune envie, de faire un exposé qui se prétendrait exhaustif. Sur la géologie, la géophysique, la volcanologie, la tectonique, la géomorphologie, que sais-je. En aucune façon, ces émissions ne sont un cours. Ce à quoi je m'y essaie, c'est de raconter, par la parole donc, et par l'image, aidée par la musique, ce qui m'a le plus fasciné, ou ce qui, simplement, m'a le plus intéressé, au long d'un tiers de siècle de vagabondage professionnel, et de randonnées plus ou moins aventureuses. Si je suis devenu volcanologue, c'est que, géologue de mon état, j'ai rencontré il y a 34 ans une éruption. La splendeur du phénomène et le défi qu'il semblait opposer, tant à l'alpiniste que j'étais alors qu'au chercheur scientifique, m'avait aussitôt envoûté. Mais si j'étais devenu volcanologue, c'était par passion pour la montagne. Regarder les montagnes, les parcourir, les escalader, les étudier pour bien les comprendre, cela a conditionné toute mon existence. Cela fait plus de 40 ans que tu te promènes de par le monde. Qu'est-ce qui t'a frappé le plus sur la Terre? Ce qui m'a frappé avant tout, la chose qui m'a frappé le plus, c'est la proportion colossale de la partie de la Terre qui n'est pas habitée par l'homme par rapport à celle qui est habitée. 90% de la Terre sont déserts, déserts du point de vue humain. Parce que s'il y a des milliards de poissons dans les mers, il n'y a pas beaucoup d'hommes dans les mers et sur les mers. 90% de la Terre sont inhabités. Carrés de sable stérile, millions de kilomètres carrés de rocs nus, c'est cela, le désert aride. Millions de kilomètres carrés de glace. Immensité hostile, mais fascinante, combien fascinante, des calottes polaires. Fascinante
Parce que hostile. Hostile, oui, mais somptueuse. Immensité des marécages, tel que celui-ci en Amazonie. Et l'immensité déserte la plus immense de toutes, celle des océans. Les océans occupent près des trois quarts des 510 millions de kilomètres carrés de la surface de la planète. On le voit et on le sent lorsque l'on parcourt le globe. 70% de sa surface sont constitués par les eaux de la mer. Pour essayer de matérialiser ces proportions, les 510 millions de kilomètres carrés du globe les océans 70%, les terres émergées dont près de la moitié sont des déserts, ne sont pas déserts, cette autre moitié est habitée, cette proportion-là de notre planète. Grande partie du globe, nous le savons maintenant, est déserte et sa partie habitée est mineure. Mais la concentration humaine, par endroits, atteint le seuil de l'intolérable. Pourquoi toutes ces parties inhabitées ? Elles sont inhabitées, c'est une lapalissade, parce qu'elles sont inhabitables. Elles sont inhabitables soit parce qu'il fait trop froid, les régions polaires, ou trop élevées. Elles sont inhabitables parce qu'elles sont trop sèches, ce sont tous les grands déserts torrides. L'eau est indispensable à la vie et là il tombe moins de 100 mm d'eau par an
ce qui est tout à fait insuffisant, à une vie normale. La vie existe dans les déserts. Elle est rarissime et pas la vie humaine. L'homme ne fait qu'y passer. Il passe, il ne l'habite pas. Il habite dans des oasis, dans le désert. Mais il traverse le désert. Et l'inhabitabilité de la terre est fonction de la température et de la quantité d'eau dont l'homme peut disposer. Dans les zones inhabitées, parce que peu habitables, on oublie presque toujours quelque chose de très important par la surface, ce sont les forêts. Et aussi bien les forêts équatoriales que les forêts tempérées, les forêts arctiques et les forêts de montagne. Parce que la forêt, on peut y vivre seul ou en tout petit groupe, bien sûr. Il y a des nomades qui vivent dans la forêt amazonienne ou dans la forêt équatoriale africaine, mais c'est un individu par 1000 km², c'est extrêmement désert. Par contre, la forêt a une influence énorme sur la vie, par son rôle régulateur de l'atmosphère, l'oxygène qu'elle dégage et le CO2 qu'elle absorbe. Les forêts couvrent le tiers des terres émergées. Les forêts, non seulement occupent beaucoup d'espace, mais les forêts ont joué et jouent toujours dans le phénomène de la vie et donc dans l'évolution des espèces végétales et animales, y compris l'espèce humaine, un rôle absolument fondamental. La forêt est quelque chose dont les gens ne se rendent d'une importance dont les gens ne se rendent absolument pas compte. Nous sommes ici dans la forêt amazonienne, qui est même la plus grande des forêts primaires, des forêts dites vierges du globe, avec la forêt africaine, la forêt équatoriale africaine, la forêt de Bornéo, de Sumatra. Toutes ces forêts équatoriales constituent en quelque sorte le poumon qui permet à l'atmosphère de contenir assez d'oxygène que pour laisser les animaux exister. S'il n'y avait pas ces milliards de feuilles avec leur fonction chlorophyllienne, tout ce vert qui est là, ce vert qui, avec l'aide de l'énergie fournie par le soleil, transforme le gaz carbonique qui se trouve en trace dans l'atmosphère, gaz carbonique qui vient essentiellement des volcans, transforme ce gaz carbonique d'une part en matière organique, en matière végétale, c'est-à-dire les feuilles, les fleurs, les fruits, le bois, qui permet aux herbivores de manger et aux carnivores de manger les herbivores, transforme donc ce dioxyde de carbone, ce gaz carbonique, en carbone organique fixé et laisse échapper dans l'atmosphère ce qui fait l'autre partie du gaz carbonique, l'oxygène. Le gaz carbonique, c'est CO2. Un atome de carbone, deux atomes d'oxygène, le carbone est fixé dans la plante, l'oxygène se libère et l'oxygène nous permet non seulement de vivre, mais de nous développer. S'il n'y avait pas eu de plus en plus d'oxygène dans l'histoire de la Terre, l'homme n'aurait jamais existé parce que son cerveau a besoin de beaucoup d'oxygène. Plus un être est développé, plus il est évolué, plus sa cervelle fonctionne, et plus la cervelle fonctionne, plus elle a besoin d'oxygène. La forêt est fondamentale. Si l'on détruisait la forêt, l'humanité disparaîtrait.
tu veux bien, Haroun, on arrête un peu les généralités. Raconte-nous comment tu as été amené à aimer la géologie. Ça, c'est la montagne. Hein. C'est la montagne. Et la géologie ne m'a pas fait oublier la montagne. Le plaisir de l'alpinisme, le plaisir de la beauté des yeux et le plaisir de la difficulté à vaincre, soi-même à vaincre d'ailleurs. Et j'ai eu la chance extraordinaire. Après des années, j'en rêvais et je n'y croyais plus, de réaliser une course qui n'est pas difficile, mais qui est très, très belle. Et c'est Gaston Rébuffa, mon ami Rébuffa, qui me l'a offerte il y a quelques années. Il tournait un film, un très beau film, qui s'appelait « Entre ciel et terre ». Et il m'a demandé de faire avec lui une séquence. Il m'a demandé quelle course je souhaiterais faire. Et cette course, il me l'a fait faire, et en plus, elle est fixée sur la pellicule. C'est la traversée intégrale du Mont Blanc, d'ouest en est, c'est-à-dire que nous sommes partis par la face nord de Bionacé, qui n'est pas une face difficile, qui est très belle, et puis du sommet de Bionacé, par les merveilleuses arêtes très aériennes qui relient l'aiguille de Bionacé au massif du Mont Blanc proprement dit, au dôme du Goûter. Nous sommes allés au sommet et au-delà. Pour un film d'ascension, il faut, bien sûr, la cordée que l'on filme. Mais, plus sûr encore, il faut la cordée qui filme. Christian Molly en tête, Pierre Terraz à la caméra. Par l'arrêt des bosses, merveilleusement solitaire à cette époque-là de l'année, nous avons atteint le sommet où il n'y avait personne. Et nous y avons construit un igloo. Construire un igloo, c'est facile, sauf lorsque la neige est très froide ou très poudreuse, mais sinon c'est très facile. Et l'igloo est un abri absolument idéal, incomparablement plus plaisant, plus chaud, plus confortable, plus sûr que la tente, il n'y a pas de comparaison, et même qu'un refuge en dur. Quel que soit le froid à l'extérieur, dans l'igloo, le minimum est zéro. C'est le minimum. Et dès que l'on y habite, ce minimum est au-dessus de zéro. Et dès que l'on allume une chandelle la nuit, ou a fortiori un réchaud pour se faire à manger ou à boire, la température devient telle qu'on est obligé non seulement d'enlever la doudoune, mais d'enlever également les lainages. Bien souvent, on est torse nu, assis sur son duvet, à cuisiner, à manger, et puis on se glisse dans ce duvet, on y dort admirablement bien, parce que de surcroît, l'igloo non seulement isole parfaitement du froid, mais il isole parfaitement du bruit. Or, tous les alpinistes le savent, en période de tempête en montagne, il y a les hurlements du vent, il y a les avalanches, il y a les fracas des séracs qui s'écroulent, qui sont parfois à la longue, quand la tempête dure, assez effrayantes, peuvent saper plus ou moins le moral. Bien dans les loups, on n'entend rigoureusement rien. Thank you.
Le lendemain matin, par un temps superbe, nous avons poursuivi notre traversée du massif du Mont Blanc. Depuis le sommet, nous sommes redescendus vers le glacis du Géant, gravissant au passage le Mont Blanc du Tacu et le Mont Maudit. À la base du Mont Maudit, nous avons franchi sa célèbre rimée, cette crevasse, parfois très large et très profonde, qui sépare du glacier proprement dit le névé de neige tassée. Passé la rimée, il n'y avait plus qu'à se laisser aller pour arriver au sérac du Géant et par-delà, à la mer de glace et pour finir au montant vert. Et puis au montant vert, nous nous sommes séparés parce que Gaston Rébuffat, avec qui donc je venais de faire cordée, retrouvait l'accordé de ceux qui avaient fait le film, ceux qui filmaient avec nous, et ils partaient, eux, pour faire une autre course, beaucoup plus formidable, beaucoup plus difficile, la face ouest du Dru, qui à l'époque venait d'être ouverte par notre ami Walter Bonetti. Ces images font rêver. Je comprends qu'une telle randonnée peut te donner envie d'intéresser davantage à la géologie. Alors revenons-y. Comment sont nées les montagnes? Les toutes premières, celles d'il y a 4 milliards d'années, elles ont très vraisemblablement été engendrées simplement par un super volcanisme, le volcanisme colossal des débuts de la planète, avant qu'il n'y eût des eaux condensées, avant la chaleur était trop grande. La température était trop élevée, il n'y avait pas encore d'océan. Mais dès que les océans se sont formés, les océans ont donné la matière aux nuages, c'est là, l'eau des océans qui était pompée par le soleil, transformée en nuages, nuages qui s'abattaient en averses sur les reliefs qui existaient, et ces averses provoquaient des ruissellements d'eau très violents, qui érodaient ces montagnes primitives. Et depuis là, c'est toujours la même chose qui joue. Eh bien, ceci, ce sable fin mélangé, c'est celui qui était en suspension dans l'eau qu'on vient de voir, l'eau du torrent qui est ici à côté. Ce sable, c'est le produit de l'érosion de la montagne qui est là-bas derrière. Ce sable, ces argiles, ces limons, les cours d'eau les transportent peu à peu jusqu'à la mer. Ici, la mer, c'est l'océan Pacifique, le nord de l'océan Pacifique, en Alaska. Et ce fleuve, chargé de sédiments fins, avance dans les eaux bleues du Pacifique. Et ce qui est très étrange, c'est que pendant des millions d'années, ces sédiments se déposent en strates
superposés, toujours à 100-200 mètres de profondeur, parfois même moins, alors qu'il y en a sur des milliers de mètres. Et ça, c'est dû à un phénomène qu'on a découvert, il y a plus d'un siècle de cela déjà, et qu'on appelle la subsidence. C'est l'enfoncement de l'écorce terrestre superficielle, de l'écorce de la Terre, quand elle est surchargée par quelque chose. La Terre, elle ressemble assez à un œuf mollet, avec sa coquille, l'écorce terrestre, son blanc, le manteau, et son jaune, le noyau. La croûte terrestre, ce qu'on appelle en jargon scientifique la lithosphère, c'est-à-dire la sphère de pierre, elle est solide. Mais en dessous de cette coquille qui est extrêmement mince, parce qu'elle fait, donc disons, une centaine de kilomètres d'épaisseur moyenne, la lithosphère, par rapport aux quelques 13 000 kilomètres du diamètre du globe, c'est 100 kilomètres, c'est rien du tout, tu comprends, c'est une coquille d'œuf. En dessous de cette coquille d'œuf, il y a ce que les géologues appellent l'asténosphère, qui est constituée de magma en fusion, c'est-à-dire de roches également, mais fondues à cause des hautes températures qui règnent en profondeur. Température de 1500 au moins, peut-être 2000, 2500 degrés, on ne sait pas. Mais en tout cas, assez chaude pour que les roches fondent. Elles sont fondues, donc elles sont liquides, et du moment que c'est un liquide, il réagit, principe d'Archimède, sous le poids, quelque chose s'enfonce. Les sédiments empilés s'enfoncent à chaque strate nouvelle qui vient s'ajouter, ils s'enfoncent à peu près à la même valeur, comme un chaland au bord du quai, ou un navire au bord du quai, s'enfonce dans l'eau à mesure qu'on le charge. Et quand on le déchargera, et la montagne sera déchargée par l'érosion, il va remonter. Et cela s'enfonce, on appelle cela la subsidence. Voici la surface de la dernière en date de ces couches de sédiments superposées, couches de sable alternantes avec des couches d'argile et des couches de limon, que ce fleuve dépose et qui s'accumule à l'horizontale, ou quasi à l'horizontale, depuis des milliers de siècles. Combien sous cette couche la plus jeune y a-t-il de strates empilées? Seul un forage profond permettrait de le dire. Parfois, des poussées verticales, tantôt ici, tantôt là, soulèvent la croûte de la Terre. Et aussitôt, l'érosion attaque les empilements de couches et notre œil alors les découvre. Ainsi, dans les strates des célèbres falaises d'Etrota, où l'on voit alterner des couches de craie et de silex, couches engendrées sur place, celles-ci, et non pas amenées par des fleuves. Ainsi aussi, pour les argiles transformées en schiste, les sables transformés en grès, les craies transformées en calcaire, des non moins célèbres gorges du Colorado. Sous le poids des sédiments progressivement accumulés, le fond s'enfonce. Et grâce à cette subsidence, l'épaisseur des sédiments peut dépasser des dizaines, voire des vingtaines de kilomètres. Mais les strates ne demeurent pas horizontales. Comprimées entre les mâchoires du colossal étau que constituent deux plaques tectoniques qui se rapprochent, les couches se courbent, se ploient, se plissent, se cassent, se faillent, se chevauchent, cependant que le fond, constitué non de sédiments en faible densité, mais de lourdes roches basaltiques, se trouve englouti par subduction dans le manteau supérieur. Ainsi sont engendrées les grandes chaînes de montagnes plissées. Ces couches de calcaire, qu'aujourd'hui l'on retrouve plissées et à des milliers de mètres d'altitude, à l'origine étaient horizontales. Elles avaient été déposées sur le fond d'une mer peu profonde et chaude, il y a de cela environ 1 million de siècles.
cette compression finalement s'arrête parce que les matériaux rocheux deviennent trop résistants. Ils cassent, bien sûr, il y a des quantités de failles qui jouent, mais ils ne peuvent plus se comprimer. La compression s'arrête. Et à quoi a-t-elle abouti? Elle a abouti à une sortie de la nouvelle chaîne de montagne à une certaine altitude et en même temps à une descente d'une racine de ces montagnes, comme une racine de dent, qui descend beaucoup plus bas que le sommet ne monte. Ça, c'est la réalisation à l'échelle de la planète du principe d'Archimède. Tu mets flotter un bout de bois dans de l'eau, une partie surnage et une partie s'enfonce, qui est plus grande selon la densité du morceau de bois, ou plus petite selon toujours cette densité. La même chose pour les roches. Elles s'enfoncent davantage qu'elles ne ressortent. Mais elles sortent de plusieurs milliers de mètres au-dessus du niveau de la mer pour une chaîne de montagnes habituelle. Ça va de 4, 5, jusqu'à 10 000 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer. Il faut se dire qu'il y a des racines correspondantes à très grande profondeur. Et tout cela est fait de roches durcies, métamorphisées même, comme nous disons en langage géologique, métamorphosées si tu veux, transformées par exemple d'une argile dans un schiste, d'un schiste dans un mécachiste dans un gneiss et d'un gneiss dans un granit. Et le granit, c'est la roche la plus répandue sur tous les continents. On la trouve partout, même là on ne la voit pas. Sous nos pieds, un certain nombre de milliers de mètres, recouverts par des sédiments plus récents, il y a certainement des granites. La très belle chaîne du Saint-Elias en Alaska et la chaîne des Chugach longent l'océan Pacifique sur des centaines de kilomètres. Cette chaîne culmine à plus de 6000 mètres d'altitude et de somptueux glaciers s'accrochent à ses parois. Glaciers qui sont ravinés de profondes et étroites rainures, couloirs creusés par les avalanches et par les chutes de pierre. Descendus des hautes vallées, les glaciers s'étalent, se rejoignent, se soudent les uns aux autres et constituent de larges fleuves de glace qui poursuivent leur descente vers la mer. Nous, les amoureux de la montagne, nous en sommes intoxiqués. Et la regarder en roc et en glace, ou la regarder en image, ne nous lasse jamais. Je vous demande pardon de peut-être vous la montrer trop. Mais je n'ai pu résister à mon amour pour la montagne. Pour la chaîne calédonienne, qui est née au milieu du primaire, s'est formée au début du primaire et est née au milieu du primaire. Pour la chaîne hercynienne, qui a terminé l'ère primaire, et pour la chaîne alpine, qui est la plus récente, eh bien nous savons qu'il faut en moyenne entre 150 et 250 millions d'années pour engendrer une chaîne de montagne. Et il en faut 10 fois moins, à peu près, pour l'éroder. Puisque nous en étions où durer, je voudrais tout de même faire comprendre ce qu'est 1 million d'années et ce qu'est la vie de la Terre, la durée de vie de la Terre. Si je prends une feuille de papier et que je dis cette feuille de papier représente 1000 ans, deux feuilles de papier, l'ère chrétienne. 1 million d'années, c'est 1000 feuilles de papier. C'est-à-dire un volume de 2000 pages. De 2000 pages, 1000 feuillets, minces, fins, ça fait une dizaine de centimètres d'épaisseur. Ça, c'est 1 million d'années. La Terre a 4 milliards 600 millions d'années. C'est-à-dire 4 600
volumes de 10 cm dont chaque feuillet représente 1000 ans. 4600 volumes de 10 cm, ça te fait une tour Eiffel et demie de feuilles de papier empilées. Ça, c'est l'âge de la Terre. Les deux feuillets supérieurs de cette énorme pile, c'est l'ère chrétienne. Et il faut bien essayer de se mettre cela dans la tête pour comprendre ce que sont les durées géologiques. L'unité pour les phénomènes géologiques, l'unité de temps, ce n'est pas comme pour nous l'année, c'est le million d'années. 1000 fois 1000 ans. Eh bien, Martine, tu vois ce globe, c'est comme ça que nous le verrions si on enlevait l'eau des océans et des mers. La carte d'après laquelle ce globe a été fait résulte de très importants travaux d'océanologues de tous les pays du monde, mais surtout des Américains Heisen et Mary Tharp. Et ce fond des océans est extraordinairement parlant en ce qui concerne la structure de la planète. Et ce fond des océans, ça saute aux yeux. Il est marqué par l'extraordinaire dorsale, cette chaîne de montagnes de 60 000 km de long, 3 000 km de large, 3 000 mètres de haut en moyenne, qui part de là-bas, de l'Arctique, s'appelle crête médio-atlantique dans l'Atlantique, passe dans l'océan Indien, repasse toujours par l'océan Indien dans le Pacifique, dans la crête de l'Est Pacifique, et qui sépare des plaques tectoniques entre elles. Sous la poussée du magma, la croûte se gonfle, s'étire et se casse. Ainsi peut être schématisée la genèse d'un rift océanique. Si cela s'étire ici, cela se comprime ailleurs, et deux plaques qui s'affrontent finissent par se chevaucher. Les plaques, donc ainsi délimitées d'une part par la zone d'expansion des fonds océaniques, d'autre part par les zones de subduction où les plaques disparaissent sous d'autres plaques, il y a toute une série de grandes plaques, il y a une grosse demi-douzaine, je répète, l'Afrique, l'Eurasie, c'est plutôt Eurasie, c'est un grand nom, un grand mot pour le petit bout d'Europe qu'il y a par rapport à l'énorme Asie, mais enfin c'est l'Eurasie. La plaque américaine du Nord, la plaque américaine du Sud, la plaque antarctique, la plaque de l'océan Indien, la plaque du Pacifique. Voilà les grandes plaques qui conditionnent notre planète. Et puis il y a des plaques plus petites, secondaires, comme par exemple la microplaque, la petite plaque des Antilles qui, nous, Français, nous intéresse. Dans la dépression de la Phare, en Éthiopie, la surface du lac de lave de l'Ertaalé montre à une échelle disons humaine, et à des vitesses 1000 millions de fois plus grandes, des mouvements similaires aux vastes et interminables mouvements géologiques. Ainsi, l'étirement de la coquille superficielle de ce lac qui rappelle l'expansion, à partir d'un rift, des fonds océaniques. Ainsi encore, des plissements.
Ainsi, des cisaillements par coulissage horizontal, tel que celui de la faille de San Andreas, qui sépare le fond du Pacifique qui s'en va vers le nord, de l'Amérique qui, elle, s'en va vers le sud. Ainsi, des charriages, tels ceux des naves alpines, qui se sont produites il y a quelques dizaines de millions d'années. Ainsi encore, de l'engloutissement de l'écorce superficielle dans le magma en fusion, pareil à la subduction d'une plaque tectonique dans les profondeurs du globe. Aujourd'hui, la surface de la Terre comporte 6 continents. Mais il y a 300 millions d'années, il y avait 2 supercontinents. Alors que s'est-il passé entre-temps ? Il y avait 6 continents réunis en 2 supercontinents. Ces 6 continents ont repris leur liberté et sont partis chacun de leur côté sous l'effet non pas de ce qu'on appelait jadis la dérive des continents, qui est impossible, mais sous l'effet de ce qu'on a découvert être le vrai mécanisme, c'est l'expansion des fonds océaniques. Comment peut-on être sûr de tout ce que tu nous dis ? Comment on peut en être sûr ? D'abord parce que les études qu'ont faites les océanologues anglo-saxons, américains, anglais, canadiens, dans les années 50, ont démontré que le fond des océans était en expansion. C'est peut-être un peu long à expliquer comment, mais ils ont fait tout cela par une série de mesures faites à partir de leurs navires, sur l'océan Atlantique surtout, qui leur ont montré, d'une part, que le magnétisme rémanent, le magnétisme fossile des roches volcaniques qui constituent le fond de l'océan, était extraordinairement identique de part et d'autre du rift central qu'ils avaient découvert par écosondage. Que d'autre part, les âges de ces roches basaltiques des fonds océaniques décroissaient depuis les rivages de l'Amérique et de l'Europe jusque zéro au milieu. 220 millions d'années au rivage, 200 millions plus loin, 180, 150, 100, zéro au milieu. Tout cela leur a permis d'imaginer l'hypothèse de l'expansion des fonds océaniques à partir de ce rift. Ils ont découvert que de part et d'autre du rift existe une symétrie étonnante tant des âges successifs que du magnétisme fossile des roches. Voici une coupe de ce magnétisme fossile et une carte avec cette symétrie étonnante de part et d'autre de l'axe médian. Mais tout cela était génialement déduit de mesures tout à fait indirectes. Le géomagnétisme, l'âge des roches, la profondeur des roches, etc. On n'avait jamais vu. Et nous avons eu, nous, la chance de découvrir un rift médio-océanique comme celui de l'Atlantique, qui n'est pas le seul, parce que le rift médio-océanique se poursuit dans l'océan Indien en passant entre l'Afrique et l'Antarctique et se prolonge vers le nord, vers le golfe d'Aden et la mer Rouge. Et nous avons eu la chance de découvrir une partie de ce rift sub-océanique à l'air libre. Sous le niveau de la mer, mais à l'air libre, protégé par une petite chaîne de montagnes qui forme barrage contre les eaux de la mer Rouge. Cet endroit, c'est le triangle de la Fare, qui est un morceau d'océan nouveau, un jeune océan. Alors que l'Atlantique a 220 millions d'années d'âge à peu près, notre jeune océan, qui est constitué par la mer Rouge, le triangle de la Fare, où nous allons aller ensemble, et le golfe d'Aden, c'est un jeune, un futur grand océan, c'est un jeune océan qui n'a que 500 km de large, parce qu'il est trop jeune pour en avoir plus. Il n'a que 500 km... parce qu'il est né il y a 20 ou 25 millions d'années seulement.
La prochaine émission nous emmènera dans le désert de l'Afar, où nous avons découvert que cette partie de l'Afrique, Afrique au sens géographique du mot, est en réalité le fond, momentanément hors d'eau, d'un jeune océan, où nous avons découvert l'extraordinaire lac de lave de l'Ertaalé, où nous avons prévu, observé et mesuré une expansion de fonds océaniques. Nous avons mieux compris certains mécanismes des éruptions sous-marines. Nous avons clarifié la signification de ces énigmatiques monts sous-marins appelés Guyot. Nous y parlerons des coraux, des atolls et de ces récifs, récifs frangeants, récifs barrières, tel celui sur lequel s'étaient perdus, il y a 2 siècles de cela, les frégates de Jean de la Pérouse. Et, toujours sur les traces de la Pérouse, nous vous emmènerons en Alaska, à ce port des Français, où il avait connu en 1786 le premier désastre de son voyage, et où en 1958 se produisit, suite à un colossal tremblement de terre, une lame, une vague, haute de 600 mètres.